combien de temps qu'on est ensemble? Quoi? Frérot, mais toi déjà t'as une dégaine, j'ai l'impression que tu vas m'embrouiller là. Regarde-le! Regarde! Pied sur la scène, casquette, couille à l'air, il est bien. Ah non, t'as même pas une casquette, mon pote? Ah non, c'était moche. Frère, je suis aveuglé, moi. J'ai juste vu un truc. Ah non, t'as une frange? Ouais! Mais c'est hyper rare, les franges pour les mecs. Parce que t'es complètement dégagé sur les côtés. Mais t'es en frangipane sur tout le devant, quoi. C'est pas mal. L'autre, il est là. Ah, bâtard, ah, bâtard. C'est ta chérie? Non. C'est vrai? Vous êtes frère et sœur? Non. Vous êtes amis? Jure. C'est ça? Et toi, tu sors avec ton ex? En tout bien tout honneur, naturellement. Tu sais pas de la retravailler depuis un petit moment. C'est terminado? T'as pris les places quand pour le spectacle? Il y a un mois, c'est ça à peu près. Et tu t'es dit, je vais venir quand? Enfin, je vais venir avec qui il y a un mois? Avec ma copine. Et finalement? J'ai parti avec un garçon ce soir, donc j'ai envoyé un message. Ah donc toi, oui, tu... Ah oui! T'es le bouche-trou de la soirée, mon pote! Mais attends! Tu vas boucher le sien après. Mais moi, je me suis choqué, c'est ce que je veux dire! Oui, mais c'est donnant-donnant, hein? Oui. C'est exceptionnel. Donc à la base, tu devais venir avec une copine. Cette copine, elle est partie avec un copain. Ok. Et on sait ce qu'elle fait, cette copine? C'est un date aussi, elle? Ouais, c'est, oui, oui. C'est un date? Ouais. Vous êtes envoyé des messages pour le date? Juste avant. Ok. Tu sais où elle est, etc. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai découvert que vous faites entre filles, non? Sachez que les gars, quand on est en date, on n'est pas solo, il y a 4-5 copines derrière. Elles viennent en équipe, les gars. Mais c'est très bien de faire ça, c'est très bien parce que tu sais jamais sur qui tu peux tomber et c'est super. Donc là, toi t'es au courant, t'as sa position? Oui. Ah, c'est bien, vous le faites. Et donc là, est-ce qu'on l'appellerait pas la copine? Non, parce que attends, bah, je vais lui dire, mais alors, tu préfères faire des petits plans cucu plutôt que venir à mon spectacle? On l'appelle ou pas? Ouais. Je vous adore. Vous êtes des petits cœurs de beurre. Bon. Ok. Ah, ça capte pas. Non. T'as capte pas. Non. Tu captes? T'es chez qui? T'es chez qui, toi? Attends, t'es chez qui? La Poste. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'elle capte? Ça existe encore, ça, la Poste? Bah oui, mais tu peux envoyer des recommandés, hein. Mais tu crois qu'elle va répondre ou pas? Je sais pas. Vas-y, t'as moi le téléphone. Clara, elle. C'est tu... Mais c'est quoi même ton téléphone là? C'est quoi ce téléphone? C'est un Xiaomi. Un Xiaomi, oui. C'est normalement que tu fais aller Xiaomi! Elle répond pas. Elle est peut-être déjà bien occupée, Clara. Ouais, on va laisser un petit message. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, bonjour Clara, c'est Thomas Angelvi. Normalement, tu devais venir voir mon spectacle. J'ai l'impression que tu as bien mieux à faire. Tu imagines ma déception, et voilà, j'espère que si... Elle connaît mes vidéos et tout. Oui, oui. Elle aime bien l'univers. Oui, oui. Oui, oui, apparemment, c'est oui, oui. Donc, on attend tes nouvelles, voilà, t'as une petite heure devant toi. Si tu nous rappelles, ça sera avec grand plaisir. Et en tout cas, il y a... Christopher. Christopher qui a pris ta place. Il est content d'être là, mon Chris, hein. Voilà, on t'embrasse Clara, on espère que tout va bien pour toi. Et puis écoute, n'hésite pas à nous rappeler dès que tu as fini tes petites affaires. Merci, au revoir. Bisous Clara. Bisous Clara. Génial. Oh putain, elle appelle. Arrête. T'as l'air, ils sont à fond. Chut. Salut ma... Salut ma Clara. Comment ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Bon alors, il était dégueulasse ou il était beau gosse? Bah attends, il t'entend. Oh merde. J'ai dit, il t'entend.
Mais attends, c'est la première fois que tu le dates, lui? Oui. Bon feeling? Bah oui. Oui, bah de toute façon, s'il est en face de toi, tu vas pas te dire. Comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Owen. Bon, largue-le, il dit... Oh. C'est encore un anglais, ça? Oui. Oui, ouais, vous avez pris l'apéritif, vous. Ah, Owen, c'est un anglais? Excellent. Excellent. Oh, tu me connais, Owen? Non, absolument pas. Va te faire Owen. Blague à part. Clara, t'as préféré aller faire ton date que venir voir mon spectacle? Alors, est-ce que j'ai le droit de raconter la vraie histoire? Bah, bien sûr. Vas-y, raconte la vraie histoire. M'avait dit si on me plante, je te proposerai, sauf que bah du coup entre temps cette personne ne l'a pas plantée. Et moi j'avais prévu quelque chose, elle a été plantée au dernier moment et c'est Chris qui est arrivé parce que du coup moi je n'étais pas. Mais bon, au revoir. Comment ça se fout de notre gueule? Bon bah mon Chris, je te remettrai les petites invites, tu viendras avec nouvelle zoulette. Hein, t'inquiète pas mon Chris.